Bonjour, je m'appelle Nadia Dornik. Je vais travailler avec Madame Cherachevskaya, l'étude opus 39, numéro 9 de Rachmaninov. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des bonnes choses, il y a des choses que je n'ai pas compris au niveau du texte. Mm. Ah, c'était par hasard? Oui, c'était. Ouais. Tu sais où c'était? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Mais par contre, ici, je crois que c'est le problème tout simplement pianistique. C'était désordre, ouais. Un peu. Ouais. Hein. Mm. On va voir qu'est-ce que ça donne. Si... joue, s'il te plaît. Comment Défi. Tu sais, quand tu joues par deux,
Ça sera bien si tu fais le ah, avec les poignets. Yeah. Voilà. Ah, ouais. Et la main gauche? Et la main gauche, elle fait quoi? Joue séparément la main gauche. C'est aucune importance. Mais fais la même chose. La coordination doit être... Ah, ok. Oui, pareil. Dans ce cas-là, tu ne vas pas t'égarer. Ah oui, bien sûr. Ça va? Ah oui, bien sûr. Oui. Ne cherche pas les difficultés à surmonter, mais trouver le moyen. Oui, c'est fait. C'est fait. Merci. Maintenant, là, je n'ai pas compris. Ça, oui. Oui. Okay. Ah, ça va. Merci. Là, maintenant, pardon. Ça va parce que, voilà, c'est le même principe technique. Ouais. Hein? D'accord, très bien. Maintenant, ce que j'ai voulu te dire, j'aimerais bien te raconter une histoire que Rachmaninoff raconte lui-même dans une interview pour que tu comprennes avec quelle couleur on peut, la musique, un peu... comment dire, comparé avec la couleur comme la peinture, ça c'est toujours. Alors, c'était la conversation du coup avec Rimsky-Korsakov, Scriabin et Rachmaninov. Rimsky-Korsakov, Scriabin, ils ont parlé de la couleur, Rachmaninov lui disait, ah mais non, quelle couleur. Voilà. Je ne sais plus Rimsky-Korsakov ou Scriabin disait, on va vous prouver ça, comment vous allez prouver que votre ré majeur, c'est doré, la couleur d'or. Mais pourquoi mais parce que, voilà, vous avez, dans votre avare, l'opéra, au moment quand vous faites l'air de avare, et lui, il touche son argent en or et tout, il y a ré majeur. Rachmaninoff dit, après il explique, il dit, mais c'est n'importe quoi, parce que je n'ai pas du tout pensé la couleur, par contre, j'ai la source de la composition, c'était l'opéra de Rimsky-Korsakov, Sadko, au moment quand la princesse, Ondine si tu veux, mais sauf que Ondine très gentille, d'accord, elle ramasse les poissons, je ne vais pas te dire pourquoi, dans la file pour aider Sadko. Et c'est fini ce qu'il raconte Rachmaninoff. Et là, moi je lis, j'ai dit, mais mon cher idole Sergei Vassilievitch Rachmaninoff, vous avez oublié de dire qu'elle envoie dans les files de Sadko les poissons d'or. Tu vois? Alors ça veut dire que quand même ça fonctionne. Ce n'est pas par hasard. D'accord. Ce que j'ai voulu te rappeler, c'est que Rimsky-Korsakov, c'est aussi pas par hasard, n'est-ce pas? Quand moi je t'ai parlé de Rimsky-Korsakov ici et de le conte de Tsar Saltan, s'il te plaît, lis ça. Oui. D'accord. C'est, d'abord, c'est le plaisir, c'est dans la poésie. Voilà. Maintenant. J'aimerais bien que tu entendes de l'intérieur les harmonies. On commence lentement. Et là, c'est un peu moins fort, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas les mêmes cloches, n'oublie pas. Vas-y.
je donnerais, je ne sais pas encore quelle couleur, mais quand même une autre couleur. Parce que ici, c'est quelle gamme, quel mode à l'intérieur? Ah bah c'est triton. Quel mode? Quel mode? Je n'ai pas demandé quel intervalle. C'est quoi? La gamme de quoi? Nadia? Quoi? En tout cas, c'est, ça tu connais pas... choses pas réelles. Pas réelles, bien sûr, parce que c'est la gamme de ton. Ah, c'est la gamme de ton, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Tu vois? Alors, c'était légitime quand même que je dise que c'est le conte, ouais. Hein, n'est-ce pas? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on essaie de changer la couleur. Tu vois? Pas. Ouais, toujours, ça. D'accord? Ouais. Encore une fois, il fait moi par deux. Deux. C'est les cloches. Après, c'est, je crois que ce n'est pas par hasard qu'ici, même au niveau de l'écriture, Sergei Vassilitch, il fait les cloches, les blanches. Ouais. Et puis après, il te dit, ça c'est la, le conte que je veux te raconter, Nadia. Et il change 3, 4 et... N'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est intéressant. Même visuellement, déjà, on peut avoir l'image. Vas-y. Non, non, ne fais pas détective, hein, d'accord? Tout simplement, je crois que... Je crois... On cherche ensemble. Je crois que ici, si là, on faisait forte, admettons deux forte et un forte, ouais. Là, on peut faire un tout petit peu au contraire. Ah, okay. Mélodisé. Ouais. Tu vois? Tu vois? La voix du haut. Pourquoi cette, ce staccato, hein, comme si on, ah oui. on te pique y a pas de piano. Maintenant, il faut comprendre ré. Ça veut dire quoi et comment on peut attacher. D'accord, les Lego. Alors, je crois que ici c'est comme la tonique. Et après, nouvelle heure. D'accord. Non, ne fais pas staccato parce que j'ai l'impression que tu arraches moitié de ma main. Ah. D'accord. Non, regarde ce que tu fais. C'est tout à fait le caractère différent avec staccato, ouais. comme si tu joues cache-cache tout à coup. D'accord. Ouh, je suis belle. Regarde, encore une fois, regarde. Là, ce que j'aime pas toujours, le lac des cygnes, ouais. tu vois, ici ça va très bien. Et là, ici, ouais. C'est quelque chose qui monte. Et surtout, ré. Ré ici en bas. Et quand, oui. Nous devons, comme les peintres, prendre le pinceau et faire la ligne comme ça, demi-lune en bas. En haut et en bas, yes! Voilà. Maintenant, il faut décider comment tu vas fonctionner ici, d'accord? Aussi demi-lune, ta-ta-ta.
Non, pas de staccato, mon cher ami. Et pourquoi ici staccato ta ta ta? Et pédale et do et après tu vois guide l'harmonie do ré. Il faut pas faire staccato nulle part, okay. Parce que ici il y a le contact entre, c'est l'idée de compositeur. Par deux. Tac. Bon, l'harmonie. Et do. Bon, comme. Et après, c'est lié avec après. Bon. La tonique, c'est pratiquement ici. D'accord? Parce que là, on peut imaginer. Sol mineur. Oui. Mais non, il ne veut pas aller à sol mineur. C'est Cherechevsky qui est mauvais compositeur. D'accord? Lui. Tout à coup. Tu vois? Il y a les personnages qui s'appellent 33 chevaliers. Hein? Alors, les cloches, c'est la ville absolument inattendue qui n'existe pas. Tout à coup, il est apparu. D'accord. Et de la mer, il y a 33. C'est intéressant, hein, à propos, je n'ai jamais pensé calculer. Il y a 33 quelque part ici, là, mais ça, c'est les bêtises. OK. Voilà, mais c'est fort possible. 33 chevaliers qui sortent de la mer et qui vont garder cette ville. D'accord. Voilà, vas-y. Non, ne faites pas. C'est pas coquetterie. Yatata. Ok. Yatata. T'es dur, mon cher ami. Cet accent est, c'est valable partout. C'est, si tu veux faire à la sforzando, il faut pas forcer, d'accord? Yatata. C'est le conte très gentil. Chez toi, c'est un tout petit peu méchant. Ah, ok. Yatata. Mais il y a des personnages méchants, mais... Maintenant, écoute... Ré, sol, ré, sol, do, do, fa, 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 fa. C'est pas le début. Le début, c'est... Maintenant, j'aimerais bien que tu arrêtes pour entendre. Pour l'instant, tu fais ce que je te demande. Ouais. D'accord? Et c'est très bien, merci beaucoup. Mais j'aimerais bien que tu sois touchée parce que, parce que Rachmaninoff, il a écrit. Et là, il faut... J'aimerais bien que tu entends cette tonique. Si on déplace... Ici, c'est deux fortes. Lâche la pédale. Ok. Voilà. Non, c'est pas staccato. Et ici, mais très très rythmique. Regarde. Stop. Et chaque fois, arriver. Vers ré majeur, ça doit être doré. Voilà, avec ton cinquième. Merci, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il a écrit tellement beaucoup de notes que c'est dommage de passer comme ça, balayé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ça me manque? Qu'est-ce qu'il y a ici intéressant? C'est intéressant que dans ré majeur, si bémol, sixième rompu, hein? Sixième degré, c'est la cadence absolument merveilleuse. Après, ça veut dire que nous devons donner la couleur qu'on entend.
J'aimerais bien, car si bémol, c'est intéressant, comme sixième, comment dire en français, dégradé ou baissé, sixième degré? Baissé. Sixième. Mais parce qu'en ré majeur, sixième, c'est si, on baisse, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. T'as compris. C'est pourquoi la technique, c'est un tout petit peu dégager si bémol. Et hop, do ré. Ensuite, lo, do, ti. C'est intéressant. Mais, hop, hop.